C'est mon grand-père qui me l'a offert. Ça fait des années qu'il me fait ce tour et à chaque fois, je voulais qu'il me fasse un autre tour. Et à chaque fois, il me disait, moi, je voulais qu'il me fasse toujours le même et lui, il voulait d'autres. Mais je dis non, je préfère celui-là parce qu'il était tellement net que j'adorais, je ne comprenais pas comment il faisait. Et il m'a dit, le jour où je meurs, je te l'offre. Et voilà, tout est là. Donc, il ne mettait pas ses cartes dans un étui, il mettait il n'était pas trop riche, donc il le mettait dans un sac plastique, là c'est un truc de légumes. Après, il y avait plusieurs solutions, il y avait une sarbacane, un petit pot, c'était son truc préféré, et un pendule, ça lui appartenait. Et là, il y avait une prédiction. Je t'explique comment il me faisait le tour. Voilà, là il y a une cible avec tous les chiffres. C'est un vieux parchemin. C'est lui qui me l'a donné. C'est joli. Il y a sa main là. Mmh. Il y a plein de chiffres. Ils ont été mis aléatoires dans n'importe quel sens. Et là-dedans, il y a un jeu de cartes. Voilà. C'est parce qu'il était, il n'avait pas trop d'argent, il était un peu écolo et il a mis le. Son jeu de cartes, voilà, il n'avait pas de boîte. Sac primeur. Donc il m'a dit, tu vas choisir un chiffre. C'est ça qui était incroyable, n'importe lequel. On va prendre le jeu qu'il y a là-dedans, on va compter les cartes, et ça va tomber pile sur ma prédiction. Donc si tu prends le 3, ça va être ma prédiction. Si tu prends le 10, ça marchera aussi. C'est ça qui était miraculeux, j'ai jamais compris comment ça marchait. Et il m'a dit, fais-le, ça marchera tout seul, puisque je suis là pour te guider. Tu choisis ce que tu veux. Si tu choisis la sarbacane, je me mets comme ça. Je ferme les yeux, tu vises où tu veux, et là où la petite boulette se colle, on prendra. Si tu prends le pot, tu fermes les yeux, tu appuies, et on regarde le chiffre que tu préfères. D'accord. Le pendule, pareil, tu fais comme ça, et dès que tu en as envie, tu fermes les yeux et tu descends. Okay. Bien, je vais prendre l'objet fétiche du grand-père. Donc tu le mets bien dans ta main, tu essaies d'imprégner ta présence dessus. Ça me donne des frissons, tout ça. T'as les yeux qui brillent. Ouais. Donc vas-y, tu fais comme tu veux, quand tu sens, quand tu as envie, tu t'arrêtes. Pour que ce soit le plus hasard possible. D'accord. Donc tu choisis... D'abord je vais choisir la sarbacane. D'accord. Donc l'idée est simple, c'est que tu mets la boulette, tu la mets à l'intérieur. Je la mets à l'intérieur. Moi je me mets ça comme ça. D'accord. Tu souffles, très fort. Ah, on va la malaxer encore. C'est le papier qui est brillant, qui est pas trop bien. Elle est collée ? Elle est collée. Est-ce qu'elle a un chiffre qui te convient ? C'est le 39, tu vois ? 39, tout à fait. Que tu vois bien ? 39. Tu aurais pu aller sur le 31, le 40, le 35, le 18. Si tu veux changer, tu peux. Si tu veux pas, on laisse le hasard. Donc 39. Je t'ai dit qu'ici j'avais un jeu de cartes. Est-ce que tu peux enlever toi-même la pince ? Enlève la pince. Jusque là c'est bon ? C'est bon. Est-ce que tu peux... Vérifier si le sac est truqué, s'il y a quelque chose qui... Non, le sac est parfaitement normal. Donc on enlève la pince. Tu peux la regarder. La pince est normale. Donc là il y a deux cartes, ils ont du mal à se mettre. Joker, on les pose, c'est bon ? Pas d'embrouille. On les pose. Bien. Donc le jeu, je ne veux pas le toucher, donc tu le prends toi. Je prends le jeu. Et on va juste avant de commencer à regarder la prédiction. Pour pas qu'on puisse dire en fonction de ce que tu fais. D'accord. Donc je sors ma prédiction. 10 de cœur. Rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Voilà, laissez là. Voilà. Là, c'est net. C'est net. Si tu comptes et que tu comptes 39 et que tu tombes sur le 10 de cœur, c'est un miracle. Ça sera un véritable miracle. Surtout que tu vas en plus réexaminer le jeu. D'accord. Par contre, à quelques cartes près, 17 ou 33, c'est quand même assez éloigné de 39. Tout à fait. Donc imagine, tu serais tombé sur 33, ça aurait été peut-être une autre carte. Donc on va les faire
une par une. Face en l'air, comme ça tu vois les cartes une par une. D'accord. Et tu comptes. Je les pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'arrête. Toujours pas de 10 de cœur. Non, toujours pas. Donc moi ça me donne des frissons ce tour. Sois honnête, quand tu verras si ça marche, tu me diras si ça t'a plu, parce que moi ça m'a toujours impressionné. Parce que je me demande comment il faisait mon grand-père pour arriver à ce résultat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et tu vois que là, il y a 35. Tu aurais pu tomber sur 35. J'aurais pu. 31. 31, 32, 33, 34, ah tu vois, 35 c'était 9 de trèfle. 35. 36 c'était 35, 36. Valet de pique. Valet de pique. 37, 37, 38, 39, vas-y pose. Et il te reste quoi dans les mains? Le 10 de cœur. Et c'est bien. La prédiction. Le 10 de cœur. Maintenant tu continues voir s'il n'y a pas d'autres 10 de cœur. On vérifie. Je pense que c'est un vrai petit miracle qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre 10 de cœur. Le roi de pique, c'est incroyable. Incroyable. Ça me donne des émotions. C'est fou, ça me donne des frissons, moi aussi. Parce que là, il n'y a aucun chiffre pareil. Tu as fait la prédiction à l'avance, la boîte est vide. Et j'aurais pu choisir n'importe quel chiffre. Moi, ça m'émeut tout ça. Tout peut être bien examiné. La pince. Pas trop pire, hein. La carte choisie à l'avance. C'est pour ça que tout à l'heure tu m'as dit est-ce que l'histoire est vraie. L'histoire est vraiment vraie. Et je sais toujours pas comment ça marche. C'est ton grand-père. Ton grand-père était magicien aussi. Magicien. Alors, c'est... Alors comme le mien. Je sais pas. En définitive. Tant ils se connaissaient. Peut-être. Parce que moi je sais comment il faut mettre les cartes. On m'a dit de les mettre dans le truc, tout ça. Et à chaque fois qu'on le fait, même si on change d'objet, même si on change de choses, des fois je change de carte, je mets, je mets autre chose, ça marche. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le tour n'est pas truqué, il n'y a rien. Les cartes ne le sont pas, le papier n'était pas truqué, la pince non plus. Et la main. D'accord. Voilà, à quoi comme il dit. Alors moi j'ai peux... Oui, elle n'est pas truquée. Ouais, d'accord. Voilà, on t'aurait pu faire ça, hein. Faire ça et te poser, et tu choisissais, un des quatre. Je crois qu'on peut pas faire mieux, et c'est le rêve de tout magicien, mais le problème c'est que j'ai pas de mérite, puisque c'est encore mon grand-père qui a fait le tour, et non pas moi. C'est fabuleux. Ah, là je me dis, si j'avais choisi un autre chiffre, ça aurait pas été la même carte, déjà. Et t'as fait la prédiction à l'avance. Je t'ai sorti le jeu, je te l'ai posé, ça a été net, je t'ai montré tout ça. C'est net. Voilà. Il est bon le parchemin.